Maseret Péa, traité Péa, Perek Vav, chapitre 6, Mishna Vav, Mishna 6. A Omer Shiyeshbo Sataim, une gerbe qui avait un volume de 2 CA, environ 28 litres, ou Shracho, et elle a été oubliée, et non Shira. Ça ne s'appelle pas un oubli, parce que c'est trop volumineux. Shne Omarim, ou Vahem Sataim, s'il y avait 2 gerbes oubliées et ensemble, elle faisait ce volume de 2 CA. Rabban Gamliel Omer le Baal Bayit. D'après Rabban Gamliel, ça va au propriétaire. Hachamim Omrim la Aniyim. Et les sages disent que ça va aux pauvres. Amar Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit V'chi merov ha'omarim yofikoa shel Baal Bayit ho hura koho. Voilà, lorsqu'il y a plus de gerbes, est-ce que ça donne plus de force au propriétaire ou au contraire moins? Ambrolo yofikoho. Ils lui ont dit que ça lui donne plus de force, puisque s'il y a 3 gerbes qui ont été oubliées, ça ne s'appelle pas un oubli et c'est au propriétaire. Amalahem, il leur a dit Omaim bisman shiu omer echad uvo sataim ushracho eno shicha. Alors donc, si déjà, lorsqu'il n'y avait qu'une seule gerbe oubliée et qu'elle avait le volume de 2 CA, on considère que ce n'est pas un oubli et que c'est au propriétaire. Alors, s'il y a 2 gerbes qui font ensemble ce volume de 2 CA, à plus forte raison que ce n'est pas considéré comme un oubli et c'est au propriétaire. Amroulo, ils lui ont répondu lo. Non, ça tu le dis lorsqu'il y a une gerbe qui a le volume de 2 CA, parce qu'elle est considérée comme un grand tas. Et un grand tas, c'est pas un oubli, qu'une gerbe. Alors que quand il s'agit de 2 gerbes qui font ensemble le volume de 2 CA, c'est considéré comme des gerbes et donc comme un oubli.